Et salut les amis, on se retrouve pour une partie de WC9, c'est Snake 7345 avec vous, et on va commencer cette carrière en WRC. Je vous retrouve également ce soir pour Overwatch avec Madwig, j'espère en tout cas qu'il sera là, normalement oui, maintenant. De toute façon, vous aurez la partie d'Overwatch ce soir, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer la saison, comme vous voyez, j'ai commencé juste un tout petit peu à faire, même pas sur la driver carte, enfin voilà, je préfère être honnête avec vous. J'ai préféré faire les configurations, donc j'ai fait un petit entraînement, un petit test area. Donc, on va faire une carrière. Je vous montre également les commandes que j'ai mis. J'ai juste mis qu'une aide, c'est les vitesses en mode semi-automatique. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, voilà, c'est bien ça, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis la difficulté à 100%. S'il faut, je réduirai ou je réaugmenterai. On verra ce qui se passe. Vu sur la difficulté des temps des IA en dehors des modes carrière et saison. Donc on va voir. Hein. On va voir. De toute façon, on va adapter. Hein. On va adapter la difficulté. Si je vois que c'est beaucoup trop élevé ou pas assez élevé, il n'y a pas de souci. Alors, à savoir que en général, moi, je conduis plutôt des F1. Dans les jeux en tout cas de simulation, donc voilà. J'ai pas du tout un conducteur WRC, mais alors là, pas du tout. Donc, j'ai envie de dire, on verra quoi. J'ai envie de dire, on verra. Donc, on va voir ça tout de suite. Et ici, j'ai le robot du chat qui a fait un petit peu. Petite bêtise, c'est pas grave, je rectifierai ça. Mais en attendant, ici, donc, on va se retrouver pour une partie donc de WRC9. Alors, le temps de faire la petite modif sur mon volant, y compris également parce que je porte des gants, donc ça prend, on va dire, un peu plus de temps. Donc voilà. Donc c'est parti, on va y arriver. Je vais y arriver au bout d'un moment. Et donc c'est ça, donc ok. Là, ça a bien mis à jour sur le stream. C'est magnifique. Allez, on y va. C'est parti. On commence. Et on va directement en carrière. Et on va voir donc ce que carrière nous réserve. Alors. En carrière, tu participes au championnat du monde des rallyes, toujours derrière le volant, mais aussi en tant que manager, recrute tes collaborateurs, gère planning et budget et fais évoluer métier et véhicule. N'oublie pas de développer dans tes relations avec les constructeurs. Ok. Alors, on va mettre sur la 1. Hein. Prénom. Oh, allez, qu'est-ce qu'on va inventer comme prénom? Ouais, c'est bien, c'est magnifique. Je sais pas, moi. Pourquoi pas Ouais, oui, on va mettre ça. On va mettre ça, c'est Voilà. Ça. On va chercher voilà, nationalité belge. Alors, difficulté 100%. J'ai bien envie de mettre à 90. On va mettre à 100, hein. On va laisser à 100, on va voir Crash Permanent, limite le nombre d'essais à 1 par événement, quel que soit le mode de difficulté choisi. Là, par contre, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Alors, limite le nombre d'essais à 1 par événement, quel que soit le mode de difficulté choisi. Difficulté influe sur les récompenses et le niveau des adversaires. Écoutez, on va laisser comme ça, hein. Je sais pas du tout ce que c'est hein, le truc. Hein. Donc, alors essai limité, vous disposez de 3 essais. De quoi? Participez au championnat WRC3 à bord d'une voiture 4 roues motrices spécialement préparée pour le rallye. Plusieurs voitures sont disponibles, vous concourez directement avec les meilleurs pilotes de la discipline. Différentes équipes et voitures sont disponibles, mais il faut d'abord réussir à intéresser les recruteurs. Déconseillez aux joueurs inexpérimentés. Pour une première carrière, une expérience de jeu optimale. Eh ben écoutez, on va faire les juniors WRC. Hein. On va commencer par le début. Et là, donc ici, j'ai accès aux voitures. Alors, donc j'ai choix entre trois Ford.
de trois écuries différentes. Donc, OT Racing, Marco Polara et Enrico Oldrati. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, spécialisation. Donc, de toute façon, c'est tous les deux avant. Seulement en championnat WRC. Oui, c'est tous les tous des Ford Fiesta, spécialisation équipe et écurie. C'est quoi la différence? Oh, écoutez, vous savez quoi? Cette voiture. Ouais, mais j'hésite. Je vais prendre cette voiture-là. Voilà, hop, voilà, c'est fait. Alors, souhaitez-vous activer le tutoriel du mode carrière? Celui-ci vous guidera au travers des différentes étapes de gestion. Oui, ça par contre. Oui. On est parti pour la carrière. On va faire 2-3 rallyes ensemble. Comme je vous dis, je Bienvenue dans l'atelier. C'est ici que tu pourras effectuer tes préparatifs de course, gérer ton équipe ou ton calendrier d'activité. Comme un pilote professionnel doit s'entraîner régulièrement, l'équipe a mis au point différents événements. Consulte ton calendrier pour les découvrir. Ok. Alors, donc d'accord, là on a des employés de bureau. Des employés de bureau donc chez Ford. Le calendrier te permet de sélectionner les différents événements auxquels tu souhaites participer. Ils t'aideront à te préparer pour le championnat officiel. Pour commencer, sélectionne la semaine actuelle. D'accord. Sélectionne maintenant l'événement à effectuer cette semaine. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul disponible. L'entraînement, ouais, évidemment. Tiens, dis donc, donc on va prendre. Répète cette action pour la semaine suivante. Tu as planifié les événements sur les 2 semaines à venir. Tu peux maintenant revenir à l'atelier. Tu peux à présent lancer l'événement planifié. Okay. Alors pour le moment, je ne sais rien faire. Hein. Je sais que suivre le tuto pour le moment. Donc, on va démarrer l'événement. Choisir votre niveau de difficulté. Tu peux à présent lancer l'événement. Oui, c'est bon, j'ai compris. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Alors, je suis absolument désolé, donc si au niveau de la concentration, si parfois je ne parle pas, c'est tout à fait, je veux dire, normal. Parce que c'est un jeu de course déjà, c'est déjà pas simple quand on conduit. Donc quand on conduit et qu'on parle, c'est pas forcément facile, hein. Ceci est un Alors. événement entraînement. Chacun d'entre eux boucle sur lui-même. Tu peux ainsi réaliser autant de tours que tu souhaites afin de décrocher la meilleure médaille possible. D'accord. Allons-y, on va tenter ça. Oh bah c'est bien, magnifique. Déjà, je me suis déjà pris 10 secondes. Oh, c'est bien. Epic fail. Oh, et un mur aussi, j'ai rencontré le mur. C'est magnifique. Allez, c'est pas grave, on va voir, on va tout faire pour décrocher l'or quand même. Et en fait, je me rends compte. Ah, mais c'est magnifique. Et comment est-ce que je réapparais moi? Ah, d'accord. Et en fait, je me rends compte, si vous me permettez, que j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage à la place de la pédale de frein. Mais ça commence bien cette vidéo. Bien, c'est magnifique. Alors, on va voir maintenant. Ouais, forcément, ça va un peu mieux, oui. Alors, oui, ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, j'ai uniquement activé les vitesses en semi-auto. C'est assez compliqué, je sais sur WXC de passer. Ah, alors, c'est pas ce que j'ai décroché comme médaille. Je sais pas du tout, je vais encore juste faire 2-3 tours. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai décroché comme médaille, ce serait intéressant de le savoir. Là c'est déjà pire. C'est pire comme chrono. Allez, on va essayer de faire un meilleur chrono. Ah non, voilà, une 19-300. Oh non, dégoûté. On va quand même essayer d'avoir ce meilleur. Oh non, quand même. Oh là 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 là, ouais, non. Et à chaque fois, je me prends ce mur-là. Hein. Chaque fois, je me prends ce mur-là. Mais tourne! Allez, 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 allez! Ah non, je suis dégoûté!
Là, je me suis pas pris le mur, donc si ça se trouve, il y a de bonnes chances pour que je fasse la médaille d'or. On va voir. Ouf. J'ai rasé la bordure, hein, comme vous avez vu. Allez, 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 allez. Oui! Oui, nickel! Pas beaucoup, mais au moins c'est fait. Donc là, on va terminer l'entraînement. Nickel, c'est magnifique. Alors oui, on va continuer. Et donc, on a de l'argent et de l'expérience pour l'équipe. On a le moral aussi, d'accord, ok. Ok. Tu as donc Et... qualifié deux événements. Tu peux à présent lancer le second. Bon bah d'accord, ok. Allez, direct, on passe au second. Allez, c'est parti. Encore un rond, hein, donc voilà, c'est encore un aval. Non, non, voilà, hop, c'est parti. Cette fois, je suis pas parti au après le go. Ça, c'est vrai qu'il faut que j'arrête cette habitude là. Avec de la flotte en plus. J'ai eu l'impression que j'ai eu un petit coup de lag. Donc il va falloir que je fasse peut-être quelque chose. Oui, effectivement, j'ai eu un très léger coup de lag. Il y a moyen d'aller chercher la médaille d'or. Ici, pour le moment, je suis en médaille d'argent, mais... Alors, hop. Ouais, donc il y a un petit truc qui me chagrine là. Oh, et j'ai fait le meilleur temps, c'est nickel. Donc, par contre, si vous me permettez, je vais juste modifier un petit peu au niveau des performances graphiques parce que j'ai l'impression que le jeu a un petit peu de mal par moment. Et ainsi de qualité des ombres. Voilà, donc normalement il devrait prendre, les modifications seront prises. Ah, la prochaine fois que vous lancerez un niveau. Ah d'accord, la prochaine fois qu'on lancera un niveau. Ah ben voilà, mais de toute façon ici c'est fait. J'ai terminé donc l'entraînement. J'ai décroché l'or, c'est magnifique. Et donc on décroche de l'argent pour notre team, pareil, de l'XP et du moral encore. Alors. Grâce aux événements auxquels tu as participé, tu as gagné des points de compétences. Rendez-vous dans la zone de R&D pour les utiliser. Ok, donc là, on va devoir aller dans la zone de R&D pour utiliser ces points de compétences. Non, je veux pas la La souris. zone de Voilà. R&D est divisée en plusieurs branches. Oula! Que tu débloqueras au fur et à mesure que tu progresseras dans ta carrière. Chaque niveau d'expérience que tu débloques te donne un point de R&D à investir. Utilisant un pour déverrouiller le météorologue, il te sera très utile tout au long de ta carrière. Ah ben je veux bien croire, dites donc. Donc tout ça, c'est toute la carrière. Oh là 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 là, c'est un bazar. C'est incroyable, de toute façon, j'ai pas le Évolue choix. dans Voilà. tous les métiers en fonction de ton avancée. Ok. Retourne maintenant à l'atelier. Attends, j'aimerais bien voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas boire, bon, tant Maintenant, pis. Après. dirige-toi dans la zone de gestion d'équipe. C'est ici que tu peux gérer tes membres d'équipe. Ils sont répartis en six métiers différents. Chaque type de métier dispose de compétences qui lui sont propres. Celles-ci sont plus ou moins élevées selon la rareté du membre d'équipe. Il possède également une jauge de forme physique qui diminue au fur et à mesure des événements. Pour faire remonter la forme physique d'un membre d'équipe, tu peux le placer dans la réserve ou organiser un événement repos. Pour recruter un membre d'équipe, tu dois utiliser l'interface de recrutement. Attention, les membres proposés ne restent pas indéfiniment. Maintenant, place un météorologue en tant que membre d'équipe actif. Ok, d'accord. Donc, 25... Ben, on va prendre celui-là, du coup. Voilà.
Alors, on va mettre un mécano 331. C'est quoi la différence en fait? Je pige pas trop. Bon, allez, on va mettre celui-là, allons-y. Et on va mettre au niveau de la jambe, on va mettre lui. Voilà. Alors, pourquoi je ne sais pas? Pourquoi je ne sais pas les plus bas? Je dois choisir obligatoirement un prochain événement, là. D'accord. Donc c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc on s'est choisi maintenant tout ce qu'on veut. Ok. Là, choisis le prochain événement. Non, pas pour le moment. Comment est-ce qu'on dégage de là? Un nouvel événement est Ah, disponible. calme, ok. Il s'agit d'un événement conditions extrêmes. Retourne maintenant à l'atelier. Tu peux à présent lancer l'événement planifié. Ok, donc là pour le moment, c'est vraiment uniquement des petits événements. C'est pour te aller. C'est pour comment? Pour un peu t'adapter au jeu, Ceci quoi. est un Donc. événement conditions extrêmes. Tu es au volant d'une voiture gravement endommagée dans des conditions météo difficiles. Tu dois parcourir la plus grande distance possible dans le temps imparti. Ah, ben c'est bien, ça va être la guerre. Donc on va voir maintenant, hein. Oh là là. Ah ouais. C'est parti. Wouah! Oh non, non, j'ai changé la caméra. Mais allez, voilà. Évitez d'utiliser. Oh là là, là. On m'a dit que j'ai fait un carton. Oh donc j'ai fait un gros carton, c'est magnifique. J'ai fait un gros carton. Salut NB Pokémon. Oula, ouais, du coup, en disant bonjour, voilà. Là, par contre, donc il y a un truc sur le. Il y a un truc sur le chat, donc du coup il y a des floods. Alors, excusez-moi, hein, modérateur pour le moment. Il a fallu que je fasse donc le tri moi-même. Voilà. Donc là, on va recommencer, hein, du coup. Allez. Il y a eu des flottes sur le chat. Allez, là, on fait mieux, je suis sûr. C'est parti. Ouais, non, c'est vraiment pas simple sous la pluie. C'est vraiment pas simple. Là, j'ai pas pris la barrière au moins. Ouf, ouais. Oh non, et là, je me prends les cailloux. Ouf, ouais, j'ai eu de la chance encore. Ouais, mais de la barrière avec. Mais c'est pas grave. Peut-être moyen de terminer dans les temps. Allez, faut y arriver. Avec la pluie, ça va pas être facile. J'ai 10 secondes. Oh, et on a l'arrivée là. Ouf, nickel. Magnifique. Donc, on a réussi l'événement. C'est magnifique ça. C'est vraiment bien. Nickel. Alors, allons-y.
On va faire maintenant. Choisir un événement du calendrier. Encore? Et on peut pas choisir en dessous? Non, en fait, il me retourne vraiment. Ok, bon, mais ça va. J'ai compris. Ici, donc, on a le choix. Retourne maintenant à l'atelier. Donc voilà, là ici, donc on a vraiment le choix Tu peux à que. présent lancer l'événement planifié. Oui, ben, on a que le repos, donc l'événement planifié. Faut sortir les couchettes, quoi. Un nouvel événement est disponible. Il s'agit d'un essai constructeur qui te permet d'engranger de la réputation. Plus ta réputation auprès de ce constructeur est importante, plus les chances qu'il te propose un contrat seront élevées. D'accord. Donc, essais constructeurs sont des événements qui vous permettent d'augmenter votre réputation auprès d'une écurie spécifique. Ok, ben d'accord, ben allons-y alors. Tu peux à présent lancer l'événement planifié. Allez, on y va. Donc, on va faire ça avec la Citroën C3 R5. C'est parti. Oh, et la spéciale n'a pas l'air facile en plus. La spéciale n'a pas l'air facile du tout. 15 km, 526 mètres Dans de un essai dénivelé. constructeur, tu es au volant d'une voiture de prêt et tu dois parcourir la plus grande distance dans le temps imparti. Ok. Là, je suppose que j'ai pas de sectandre. J'ai l'impression que la piste est humide. Ouais. Ou c'est peut-être que sur l'image. Formation. Oui, non, 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 c'est pas ça. Oui, non, on va laisser comme ça, écoutez. Et on va démarrer. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Ah bah c'est bien, ça commence bien! Ça commence très fort! Ça commence bien, je me suis pris le truc. Donc on va essayer de rattraper le retard qu'on a eu au début quand même. Wouah! Ouf! Ouais. Les épingles que j'ai encore du mal là à gérer, hein, mine de rien. Oh! Et ouais, là par contre, j'ai vraiment été envoyé dans le décor. Et ouais, et là par contre, je ne sais plus bouger. Zut, zut, zut. Et il va falloir que je fasse une réapparition. C'est bête ça. Ouah, punaise! C'est pas vrai, hein. Ah, excusez-moi, vous voyez pas beaucoup de niveau, hein, là, c'est vraiment. Ouais, et le poteau, là, c'est vraiment, je me déchaîne sur les panneaux et ainsi de suite. Oh là 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 là, c'est vraiment horrible. Alors, si vous me permettez, je vais quand même. Je vais juste recommencer. Je vais recommencer. Parce que, ouais, non, c'était vraiment une catastrophe là. Là, plus catastrophe que ça. Ah, là, c'est moi qui sors trop large, mais c'est pas grave de sortir un peu trop large. Allons-y. Ah, allez, c'est rien. Là, on est sorti trop large. Allons-y. Je me suis exactement planté au même endroit. Et en fait, j'utilisais le mauvais bouton pour le frein à main. Forcément que je ne tourne pas très très bien. Donc là, maintenant j'ai le bon bouton. Ah ouais, là forcément ça tourne plus. Ouf. Ouf, oui, ok. What? Ouais, non, là, on va quand même laisser la circulation tranquille, hein. Les panneaux. Ouais, non, et j'ai. Malheureusement, c'était trop tôt. Passe à fond. Oups là! Et la petite glissade! J'ai sûrement bloqué un petit tourniquet.
Mais non, à la caméra. Oui, je suis désolé. Bon, avec les... Alors, ici, il y a l'épingle. Voilà ça, et voilà. Et là, les épingles, je les prends mieux, forcément. Hein, donc. Oh là là. Je passe au moins la moitié, c'est sûr, mais. Allez, est-ce que je tenterai pas un dernier essai? Allez, on va tenter un petit dernier essai, je suis motivé. Allons-y. On recommence. Et cette fois, je suis sûr de faire mieux. Si c'est de l'entraînement, on va dire. Bon, déjà, je ne suis plus le rocher. Je sais pas, il m'aime pas le rocher, hein. Il m'aime pas du tout. C'est nickel. Ça, par contre, on l'a très très bien pris. Oup là, ouais, non, c'est nickel ça. Oh, ici ça va être vicieux, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, ça prendra toujours moins de temps à faire ça. Hop là, c'est pas facile. Je sais même pas, je suis à combien là. 134 km/h, oui, mais. Et en plus avec le volant que j'ai, vous sentez très bien les sensations. Et là, boum, ouais, voilà. Là, je me suis complètement planté. Et encore heureux que j'ai les vitesses en semi-automatique, parce que sinon, ce serait la catastrophe. Niveau des vitesses. Hop là. Hop, et là, je vais un peu trop loin. Et je change aussi de caméra. C'est affreux, hein, ce bouton-là. Je me demande si je vais pas le désactiver. Il m'ennuie plus qu'autre chose. Et voilà, et le retour du petit tourniquet. Voilà, le petit tourniquet. Oh, bon, oui, tant qu'on y est. Pfff. Allez, allez. Et là, par contre, j'ai ouais, j'ai fait pire que qu'avant. Exactement la même erreur ici. Enfin, what? Ouais, non, cette étape-là, elle est déjà pas facile, donc j'ose même pas imaginer les autres. J'ai l'impression que je me suis arrêté plus ou moins au même endroit en fait. Ah oui, je me suis arrêté plus ou moins au même endroit. Ben voilà. Donc on va rester à 77%. Toujours pas mal. Et on a de la réputation avec Citroën. Et là, on a un moral de moins 2. Oh zut, ça c'est bête. Bon, c'est pas très grave. Hein. Pas très grave. On a quand même un moral positif. Là, donc, on doit choisir le prochain événement. Encore. Repos. Oui, bon, d'accord. Oui, d'accord. Tu viens de recevoir un mail. Pour le consulter, rends-toi dans le menu des mails. Certains mails nécessiteront une réponse de ta part. Maintenant que tu es familiarisé avec les mails, retournons à l'atelier. Alors, bonjour. Malheureusement, tu n'as pas réussi ton objectif d'écurie. Voilà, zut. Pas grave. Réaliser au moins 3 événements entraînement en l'espace de 6 semaines. L'échec a des conséquences sur notre relation avec notre constructeur. Il faut se ressaisir. À bientôt, l'équipe Ford. À présent, okay. Allons consulter tes objectifs. Il existe plusieurs types d'objectifs. Les objectifs de saison et les objectifs à court terme. Tous deux servent à améliorer ta relation avec ton constructeur. À gauche se trouve ton objectif de saison. Il sera défini plus tard lorsque tu atteindras la catégorie WRC. À droite se trouve ta réputation constructeur. Elle représente la qualité de ta relation avec ton constructeur. Plus ta réputation constructeur est basse, plus tu as de risques de te faire renvoyer du team. D'accord. Donc ici... Maintenant que tu as les bases, il est temps pour toi de participer à ton premier rallye. Maintenant, dirige-toi dans la zone de gestion d'équipe. Ok. Oui. Cet événement est un rallye.
Il s'agit d'une des manches du championnat auquel ton team participe. Tu peux à présent lancer l'événement planifié. Ok, d'accord. Donc, je suis le tutoriel, hein, donc voilà. Bienvenue dans le service park. C'est ici que tu pourras te préparer avant de partir en spécial. Certaines options se débloqueront plus tard, lors de ton avancée dans le championnat. En bas de l'écran, ton météorologue te donne une prévision du temps pour la journée de rallye en cours, avec un indice de fiabilité. En bas de l'écran, un météorologue? Oui, d'accord, ok, c'est les... Ok, d'accord. Donc, là, par contre, je dois vous avouer que je suis bien en kikiné parce que je ne sais pas du tout les... niveau des réglages, alors là j'en ai strictement aucune idée, et strictement vraiment aucune idée, à moins qu'il y ait des trucs automatiques. Alors attendez, donc Gaston Rivers, il va faire nuageux, il va faire ciel dégagé. Ok, bon, j'ai envie de dire, ne pas dépenser plus de 16 000 $ en réparation au prochain rallye réalisé. Oui, donc ça c'est les paramètres de la voiture. Ah, neige basique, ok, donc abandonner le rallye, non. Option. Non, pas ça. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester comme ça, hein, de toute façon. Sans réglage, on va pas aller bien loin. Neige cloutée. Ah, mais de toute façon, les réglages sont faits de base, donc là je ne sais pas les bouger, donc ok, d'accord. J'ai envie de dire ok. D'accord, pourquoi pas. Alors, allons-y donc pour ce rallye. On va voir, on va se débrouiller comment. Hein. Alors, allons-y. Pour notre premier rallye officiel, c'est parti. Un petit peu glissé au départ. Hein. Oups. Vous voyez, je suis très prudent. Pour le moment, en tout cas. Et gauche 4, rond 30 mètres. Wouh ! Ouais, non, j'ai failli perdre la voiture. Dans droite 5. C'est vraiment la patinette. Et voilà, et boum. Et là, il a fallu... Voilà, ok. Ok. C'est vraiment pas simple sur la neige. Je pense que je préfère l'asphalte à la neige. C'est horrible. Ouais. Donc je vais freiner avant de tourner. Parce que c'est vraiment le bazar de freiner. Ah, plus 5 secondes. Oh là là. C'est énorme. Oui, c'est ma sortie, hein. C'est ma sortie qui m'a valu plus 5 secondes. Hein. Reste au milieu sur gros saut, 300 mètres. Gauche 4000, on ferme. Dans droite, à fond. Oula, 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 oh, 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 voilà. Et ciel, dans droite, gauche 4. Dans frein, pour droite, 50 mètres. Droite, ok. Oui, donc comme vous voyez, c'est... Ouh là, j'ai pas trop mal pris. Oh non, 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 et voilà, et un autre... Et j'ai glissé. C'est pas vrai. Hein. Bah 3 secondes 9, donc j'ai gagné un peu de temps, donc j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. On va essayer quand même de gagner
plus de temps ici. Ils m'ont mis 5 secondes quand même au début, ça fait un peu mal. Donc on va essayer de gagner du temps ici. Voilà, doucement, ça sert à rien de... Ah. Hop là! Oh non, 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 non! Ouf! Il est sorti, heureusement. Gauche 4. Oup là! Ouais, non, ça va, on n'a rien vu. J'ai un peu fait le jardinage hein, sur le côté de la route. Oup! Hop là, non, ça va. Oh, et j'ai gagné pas mal de temps là, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. J'ai gagné pas mal de temps. 3 secondes 5. Voilà, c'est pas mal. Ok, là on gère vraiment la deuxième partie de la spéciale, on la gère. Hein. Oh là, oh là, ouais non. Voilà. Oh là, et là par contre j'ai l'impression que je sors un peu vite. Ouais. Enfin, ça aurait pu terminer pire, hein. Heureusement, je reviens sur la route. On est 6 secondes 9, donc là, on gagne pas mal de temps, c'est bien. On va voir, on se retrouve combien. J'espère quand même que je vais pas avoir un écart énorme. S'il faut, on augmentera la difficulté, hein. Là pour le moment c'est tout droit. Je vais quand même me méfier parce que la dernière fois que j'ai cru que c'était tout droit, je me suis planté, comme ici par exemple. Donc ça va. Voilà. Bon, on est pas mal là. On est vraiment bien là. C'est vraiment pas mal. 5 minutes 37 et j'ai 10 secondes d'avance sur le deuxième Tom Christensen. Et le souci, c'est que je vais augmenter la difficulté. Elle m'a l'air vraiment un petit peu basse. Donc, je vais augmenter un peu la difficulté. Pas moyen. Paramètres? Non. Si? Paramètres du jeu? Caméra, c'est pas. Voilà. Ah, zut, y a pas moyen. Influe sur la difficulté des IA en dehors des modes carrière et saison. D'accord, donc en fait, c'est des difficultés par défaut, si je comprends bien. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que j'ai pu choisir ma difficulté. Donc, à mon avis, on va pouvoir la changer après le rallye. Et pour le moment, alléluia, on n'a rien cassé, hein, comme vous voyez sur le. Sur le truc, ouais, bon, je dis, on n'a rien cassé, mais ça peut arriver! Et voilà, et un petit tour, non, pas un petit tour de tourniquet, j'ai réussi à rattraper la voiture. D'accord. Oh! J'ai cru que la voiture, elle partait. Alors, non, 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 oh, ça va, heureusement. Là, je traîne un petit peu et oui, 3 secondes 6 que j'ai dans l'os. Hop. J'ai traîné là. Là, j'ai vraiment traîné sur ce secteur-là. Ouais, non, là, je suis vraiment prudent, ouais. Mais cette caméra, oh c'est pas vrai, hein. Faudrait que je désactive ce bouton là.
droite 4, tenir sur gauche 4. Et attention, droite à fond, frein. Et ici j'ai 6 dixièmes d'avance, j'ai gagné du temps. Ouh! J'ai pas été à une vitesse folle, hein, donc faut vraiment que j'augmente la difficulté de cette IA. Je vais l'augmenter de 10. On va faire tranche de 10 par tranche de 10. Allez, remonte. Remonte, Titine. Voilà, hop. Nickel, ça va, magnifique. Et gauche 5, ferme frein. Dans droite 2, cours, ouvre. Dans droite 4, cours. Et gauche 6, dans bosse. Dans gauche 3, 100 mètres. Ah ouais, 5 secondes ici, je prends vraiment. Carrément 5 secondes. Gauche 5, Milo, Bosley. Dans droite 1, autour du rocher. Hop là. Oui, ça va, c'est pas mal. Ça, ça a été pas mal. Non, faudrait pas qu'on se prenne le truc total. Et là, on s'est pris. On s'est pris le machin. Magnifique. Là, virage serré. Voilà, un petit coup sur le pharma. Nickel. Ah ouais, 12 secondes, donc on n'a pas assez augmenté la difficulté. Hop, donc je vais l'augmenter, je pense que je vais l'augmenter de 10 après. Oh, ça va, ça va, ça va. Oula, oui, c'est bon. Pas mal. Hop, j'ai failli me biander. Nickel. Donc ça c'est pas mal, j'ai envie de dire un bon chrono. Et 18 secondes encore que j'ai mis. Donc comme vous voyez au classement, hein, 28 secondes quand même d'avance. Donc il me semble n'avoir pas grand chose. J'ai que tu as terminé ta première journée, tu as accès aux réparations de ta voiture. Ici, tu peux choisir les réparations à effectuer sur ta voiture. Ok. Les règles WRC limitent à 45 minutes par journée le temps que tes mécaniciens peuvent passer sur la voiture. Toute réparation se déroulant au-delà de cette limite te vaudra une pénalité de temps dans le classement général. Certaines pièces peuvent être réparées graduellement, tandis que d'autres doivent être remplacées entièrement. Ok. Alors... ah, je peux pas le faire moi-même. Ah, zut. Et on a droit à combien? Ah, pas de pénalité de temps, oui, ok. De toute façon, j'ai pas le choix, donc. Mais pourquoi tu veux pas faire une réparation? Ah, ok, bon, il y a un petit bug. Tu vas commencer ta deuxième et dernière journée de rallye. La dernière spéciale d'un rallye est appelée Power Stage. Les 5 premiers équipages au classement de la Power Stage gagnent un bonus de points au classement général. D'accord, moi j'aimerais bien faire les réparations. Non, 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 j'ai dit non, voilà. Voilà donc, et là donc je peux faire les réparations que je veux. Donc il y a eu un petit truc là, en automatique. Donc qu'est-ce qu'il nous propose de réparer? Donc les freins, ouais c'est normal, les freins. Ouais mais je pense que c'est une bonne... chose. Et voilà, donc les réparations ont été faites. Nickel. Et on va participer donc à la dernière journée. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Statistiques. Ah, donc, ok, c'est temps par secteur, d'accord. Ok, chaud des pneus. Et réparation constructeur. Ok, eh ben on va lancer... la dernière journée. Ah ouais, c'est la Power Stage. Ok, donc ça se déroule sur 2 jours. Je vais quand même augmenter la difficulté après, hein, donc vous inquiétez pas. Ici, on est dans une séance, je vais dire, découverte. On va partir pour cette Power Stage. C'est parti. 200 mètres, gauche 3, très long, frein.
Ouais, et là par contre, ouais. Elle est longue celle-là, hein. On passe exactement en même temps. Ouah! Non, ça va. Droite à fond, ok. Oh, oh là 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 là. Non, 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 ça va. Réussir à récupérer la voiture. 6 secondes. Voilà, c'est bon. Ouf. Yes, et voilà, hop. Voilà. Par contre, petite erreur, j'ai chopé avec la voiture, c'est rien. Il a gagné du temps sur moi. Hein. Il a été plus rapide que moi. Là, par contre, j'ai fait une erreur. Donc, 2 minutes 6. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais je suis plus rapide! Oui, d'accord. Donc, c'est une IA, je veux dire, qui est. Ok, qui est calculée à l'avance. Donc, j'ai 39 secondes d'avance. Ok. Ah, ouais, non, ça, c'est la super spéciale. Et ensuite, on a la Power Stage. D'accord, ok. D'accord. Alors ici, donc on va attaquer la Power Stage, 5 km 68, 113 mètres de dénivelé, et on a un ciel dégagé. On est parti donc pour cette spéciale, enfin pour le power, pour la Power Stage, et on y va. Ouais, donc j'ai bien fait quand même de pas appuyer sur l'accélérateur comme un dératé. Il semblait bien qu'il y avait un virage, je me méfiais. Ouah, voilà. Seconde 7. Voilà, ça c'est pas mal. On se débrouille bien, hein. Là, on se débrouille vraiment bien. Hop là, et là par contre, il va falloir utiliser le frein à main. Ouais, très légère touchette avec le mur, mais c'est pas très grave. Oh, 13 secondes, on est bien. Oh là, non, 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 ouf. Pour le moment, ça va. J'ai l'impression qu'on se débrouille vraiment mieux lors de cette Power Stage que lors des autres trucs. Hein. C'est pas encore planté là pour le moment. Donc c'est vraiment bien. Allez. Oh non, 23 secondes. Bah oui, là on est en train de vraiment de leur planter une minute dans la tronche. Hein.
Oh! Ouais, là par contre, je l'ai senti passer. Là pour le moment on est bien. Nickel là, on a bien géré notre truc. On a vraiment bien géré. On s'est pas planté. Vraiment magnifique. Voilà. C'est sublime, ouais, 32 secondes, ça se voit sur les temps, hein. Et on a gagné donc notre premier rallye. Donc derrière en deuxième position, Christensen, troisième Landstrom, et quatrième c'est Munnings. On va y arriver. Et on leur a mis quand même une grosse minute. C'est nickel. C'est nickel, donc vous voyez, hein, c'est remis le podium, c'est magnifique. 25 points plus de fois, on part avec 34 points et on gagne de l'argent évidemment pour Aude et l'expérience aussi. Et là, on gagne beaucoup de morale pour le constructeur et beaucoup de morale également pour l'équipe. On a dépensé plus de 16 000 dollars. Oula, 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 oula. Et là, j'ai vraiment pas mal d'XP. Nouveaux membres de l'équipe. Ok, d'accord. Donc là, on a des nouveaux membres de l'équipe. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, enfin, si on en laisse la possibilité. Mais c'est d'augmenter la difficulté. On va l'augmenter de 10 ou 15. Félicitations, tu as terminé ton premier rallye. Allons analyser les statistiques de ton dernier rallye. D'accord. Ici, tu peux consulter les statistiques de tes derniers rallyes et comparer tes performances à celles de tes concurrents. Bien, tu connais à présent les bases de la gestion d'un team. À toi de le faire progresser dans le championnat et d'atteindre les catégories supérieures. Ok, d'accord. D'accord, donc ça, ok. Alors, on va continuer, on va tester un petit peu le truc, hein, messagerie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, les cocos? Là, c'est bien 28 800, erreur météo 1, défaillance technique 0, d'accord. Et ici, 4 986 dollars, j'ai envie de dire que j'ai pas effectué beaucoup de trucs. Tu as accompli un premier objectif, tu peux dépenser. Oui, donc on a accompli l'objectif, c'est magnifique. R&D, donc on va développer la team. Enfin, si je peux, je sais pas même si je peux. Donc ça, je ne sais pas. Ouais, en fait, c'est les casques qui sont coloriés que je peux. Okay. Non, c'est quoi ça? Débloque le kinésithérapeute, réduit la fatigue ressentie par les membres. Ouais. Débloque l'ingénieur, augmente l'expérience gagnée. Ouais. Prévoit la météo de chèque spécial sur deux tiers au lieu d'un. C'est vrai que ce serait pratique ça. Augmente la quantité d'événements disponibles. De réparation des mécaniciens lors des rallyes. Oui, on va faire ça plutôt. Alors, augmente les gains de réputation auprès des constructeurs, augmente la forme maximale, donne un bonus de morale en se classant dans le top 7 du rallye, augmente le nombre de recrues maximum par mois. D'accord. Débloque. C'est vrai que. Oui, non, on va faire ça. Voilà. Prévoit la mesure de chèque spécial sur 3 tiers au lieu de 2. Et on va débloquer vraiment beaucoup la météo, hein, parce que ça va être très utile ici. Alors, j'ai déjà vu ce message-là. Ah, il faut que je paye. D'accord. Ok, bon, mais ça va, j'ai rien dit. Donc ici, on a payé les réparations. Oui, c'est ça. Alors, on a les objectifs. Les objectifs, objectifs, atteindre l'échec de l'objectif. Mais ça, l'autre objectif. J'ai envie de dire que je ne savais pas faire autrement. Voilà. Au niveau du classement, ben oui, on est devant. Au niveau des informations, non, ça c'est des informations techniques. Alors, calendrier, course historique. Oui, je suis d'accord, mais choisir votre niveau de difficulté. Alors, on va augmenter, voilà, comme vous avez vu, hein. Je pense l'augmenter à 115. Voilà, l'augmenter à 115, et on va voir donc comment ça se passe. Donc, soyez le pilote le plus rapide. Donc, on va voir déjà
Alors, en course historique, vous participez à une spéciale épique au volant d'une voiture de légende qui a écrit une page de l'histoire des rallyes. Faites le meilleur temps possible. Votre classement sur l'épreuve déterminera votre récompense. C'est parti. Allons-y. Non, 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 non. J'ai encore une fois sélectionné le mauvais bouton. Alors, on va se préparer donc. Spécial. C'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On se débrouille plutôt pas mal, hein. Hop là, et là par contre, je vais me planter. Là, ouais, et là, c'est vrai que je me suis un peu planté. Ah, ok. Oui, on a plus 3 secondes là, c'est pas évidemment pas la même rengaine. Va falloir aller un peu plus vite pour se planter. Ce serait pas mal. Ah, ça c'est bon. On jette plutôt pas mal. Oh non, 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 non! Et là, et oui, et oui, et oui, là, c'est pas grave, on n'a rien vu. Y a pas de dégâts sur la voiture. Oh non, non, non! Et là, par contre, allez, à part voir! Je prends 5 secondes, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment bête. Est-ce que j'ai du retard là maintenant? Oui, 11 secondes donc. Oui, non, c'est oui. C'est pas possible. Alors ça peut arriver, peut-être que j'ai augmenté de trop la difficulté parce que là je suis en train de me ratatiner. Ou non, 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 non. Et voilà, oui, non, je suis en train de me faire ratatiner là. Alors si vous me le permettez, je vais faire juste une petite pause. Je vais revenir dans 2 petites minutes et on continue ce ratatinage. Lit, je vais aller chercher de l'eau parce que c'est vrai qu'il faut que je boive un petit peu. J'ai oublié, complètement oublié mon eau. Je reviens à tout de suite.
Et nous revoici donc sur WRC9. On va continuer la spéciale. J'ai pris mon eau, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Et on va continuer donc cette spéciale. Et on mettait un petit peu quand même, j'ai envie de dire, la misère. C'est magnifique. Hop. Voilà. Et j'ai pas mis mes gants, donc je vais les mettre. Désolé. Les aléas du direct. Voilà. Et voilà. Allez, on y retourne. Oh, oui, ouais, non, là, on... C'est pas terrible au niveau des réparations. Là, on est à 17 secondes. Mais c'est pas possible parce que... Et pourtant, je suis pied au plancher au niveau du frein, hein, donc... C'est vraiment glissant. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, et un caillou. J'ai l'air de me les choper, moi, les cailloux aussi, hein. Voilà, ça c'est bien, c'est pas mal. D'accord. Hop, et allez, un petit saut pour la voiture! Et ouais, et un gros choc aussi. Oh là, et là, c'était pas beau à voir, à mon avis. C'était vraiment pas beau à voir. Ma seconde, ah ouais, là, je sais pas, je vais terminer combien, mais ça va pas être bobo. Mais pourquoi la voiture elle glisse autant? C'est pas possible. Et là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué. Là, c'est pas possible. Eh oui, je vais me reprendre 10 secondes. Donc, il va falloir ajouter ça au niveau du temps. Oh là, 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 ouais, non, ça non. Là, par contre, j'ai fait... il y a un petit peu la catastrophe, donc j'ai endommagé des pièces sur ma voiture. Voilà, ok. Hop, ok, ça c'est bien. Pas mal, vraiment bien. On l'a pas du tout géré cette spéciale là, hein. On l'a pas du tout géré. Ah oui, hein, comme vous voyez. Et on est même dernier. Donc j'ai augmenté un petit peu trop la difficulté, donc il va falloir que je la diminue. Falloir que je diminue tout ça. Je vais le mettre plus ou moins, allez, je vais dire la moitié de ce que j'ai mis là maintenant, quoi. Donc on va voir comme ça, gestion d'équipe. Alors fais-moi voir tout ça. Bon, là, on va mettre lui comme mécano. Au niveau de l'agent. Oui, en fait, ils se valent tous, quoi. C'est ça que... Recrutement. Financier. Ah. Il va coûter de l'argent encore. Ouais, non, donc j'ai pas encore. Vous avez pas encore débloqué cette profession. Ok, d'accord. Au niveau des objectifs, alors dis-moi, changer d'objectif. Ne pas utiliser de pneus durs durant du rallye. Va essayer, allez. Gestion des équipes, calendrier. On va mettre un nouvel événement pour ce calendrier, non pas course historique. Essai constructeur. On va faire un essai constructeur. Allez, allons-y. Avec démarrer l'événement. On va choisir le niveau de difficulté et cette fois on va pas le mettre à 115. On va le mettre à 100... 108. Ouais, on va le mettre à 108. Et on va mettre plus de dégâts. Alors, c'est parti. C'est parti. On va essayer comme ça. J'espère que ça va aller.
Elle est plus impossible avant la fin du temps imparti. Allez. Ici j'ai mis 108. Normalement ça devrait aller. C'est un bon rapport difficulté. Hop. On y va. Ah ouais, j'allais dire que j'ai pas de guide, mais ouais, ok. Oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà, et là, la voiture qui a, qui a pris dans sa tronche deux fois. Hop là, voilà, ok, ça c'est bien. Oh là là, oh là là. Et ouais, bon. Ok, magnifique. Là, oui, vous allez pas m'en tenir compte, je vais quand même recommencer ça. C'était catastrophique. Donc allons-y. Allons-y, c'est parti. On va essayer de faire mieux quand même. Ouais, donc là, ici, je sais bien que je n'ai pas accéléré trop. Oh là là! Ah, je préfère aller comme ça, ouais, c'est pas plus mal. Donc ici, on passe à... Voilà. Ouf, ouais, ça va. Oh non, non, non! Ouh là, j'ai failli glisser. Là, il y a une petite épingle. Ouh, on n'a rien vu. On n'a rien vu. J'ai un peu coupé, mais on n'a rien vu. Voilà, ça c'est pas mal. Ouh là, par contre. Ouais, il va être violent celui-là. Non, ça va. Ouah! Oh, aïe 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 aïe, c'est bon. Ça va. Voilà, on n'a rien vu. Ok, à travers portail, ouais, ok, ouais, d'accord. Allez, j'ai encore une minute. Il y a encore une minute. C'est pas mal ça. C'est vraiment bien. Oh là, non, là c'est pas bien là. Là, je me suis pris... là j'ai cassé un peu tout. Voilà, hop, on est revenu sur la route, on n'a rien vu. Voilà, 45 secondes. Allez, on va essayer quand même d'atteindre les deux tiers du parcours. Mine de rien. Voilà. C'est bon. Oui, c'est pas mal ça. Oh. Oh non, mais pas le portail. C'est pas vrai ça. Ça, c'est débile. Oh là, voilà, ok. Travers flaque, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce terrain? C'est horrible! Là, je suis sûr de ne pas avoir, ouais. Ouais, 87%, mais événement réussi. Ça va, c'est pas mauvais, mais. Skoda, ah, mais j'augmente ma réputation envers Skoda, mais par contre j'ai diminué ma relation envers l'équipe. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas, malheureusement, le problème c'est que chaque fois je perds du moral, mais c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas facile du tout, quoi. C'est vraiment pas facile du tout. Alors, au niveau réputation, on a un peu débloque le financier, réduit les dépenses en argent et augmente les gains d'argent récoltés lors des différents événements. Eh ben on va débloquer le financier. Alors, au niveau gestion de l'équipe, donc certains membres de l'équipe appelée ont atteint le niveau d'effectif maximum et ont été transférés vers la réserve. Ok. Quand même, de toute façon, on va choisir. Là, ici, on va choisir le financier qu'il nous faut. 37,40. En fait, je ne sais pas du tout ce que c'est que l'énergie. Je ne sais pas du tout ce que c'est que la fatigue. Au niveau des chiffres, parce que là je vois quand même quelques chiffres, c'est pas très très bien expliqué. On va choisir ce financier là. Ouais,
pas si bien expliqué que ça. Ah bon, au niveau des objectifs, alors, ne pas avoir de pénalité pendant les prochaines réparations. Pendant les réparations. Ah ouais, d'accord, ok, ne pas. Ok, bah, ouais, non, je pense que ça va aller. Au niveau des emails, j'ai rien reçu. Alors, ouais, le rallye de Sardaigne, donc du coup, qu'on va amener maintenant. Le manque de visibilité, la surface sableuse, mise en anticipation possible à l'approche des virages. Si la piste est assez propre avec du gravier très fin et du sable, les ornières regorgent de pierres redoutables pour des pneumatiques. Le rallye passe par de nombreuses collines différentes, donnant un dénivelé total assez haut, en modifiant complètement les tracés d'un sens à l'autre. Ok, ben allons-y pour le. Non. Donc le rallye de Sardaigne a un peu perdu là pour le moment. On va faire un entraînement. Et là. J'ai pas sélectionné rallye de Sardaigne. Il y a un truc que je comprends pas là. Rallye de Sardaigne, j'ai reçu mon mail quand? Ou je l'ai peut-être passé à hein, la Rallye de Sardaigne, hein, c'est possible aussi, hein, mais. Façon, j'ai accès qu'à ça au niveau des événements, donc je vais faire repos. On va faire une petite course historique, voilà. Et on va démarrer l'événement. C'est parti, donc voilà, on a fait le repos. Maintenant, on fait la course historique. On va faire ça avec une Ford, de ce que j'ai vu. Et on va partir pour 6,99 km sur du tracé apparemment assez avec de la terre et pas beaucoup de l'asphalte. La terre assez glissant. Et c'est parti pour le rallye de Nouvelle-Zélande. On y va! Non, zut, ouais, bah, voilà. Alors, sur des pneus. Ouais, oui, donc. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, et on y va! Ah ben voilà, je me suis déjà pris 10 secondes, mais c'est magnifique. Ça c'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête. On va essayer de rattraper ces 10 secondes. Ça va être compliqué, hein, déjà. Partir déjà avec une pénalité de 10 secondes. Oh, voilà, ça c'est bien. C'est bien ça. On gère bien là. En tout cas, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les comportements des voitures sont différents. C'est vraiment bien. Là, c'est vraiment pas trop mal. Sincèrement, c'est pas trop mal réalisé. Oh. Voilà, ça c'est bien. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, les cailloux là qu'il y a là. Hop. Oh, les cailloux. Je vais m'en prendre un. C'est pas bon pour les pneus. Voilà, ça c'est bien ça. C'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Oh là. Voilà, c'est bon. 13 secondes. 13 secondes, punaise. C'est énorme. Moi j'ai pas l'impression d'avoir été si lent que ça. Ah non, c'est bon. On est passé. Allez, ouh là 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 là. Ouais, non, j'ai chopé un peu les cailloux, c'est pas grave. Rien vu. Huit secondes, hein. Ouais, on est en train de perdre beaucoup de temps. Voilà, là, oh là, ouais, allez, on est en train de tout casser, là, les barrières et ainsi de suite, c'est magnifique. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il va se commettre, oh oui, il se commet sur ses roues, tant mieux, oh là là, les rochers, pff. Mon Dieu. Droite 3, court, grosse corde dans gauche 4, court dans droite 5.
Ouais, c'est pas mal, mais bon. Oh là là, non. Oh là. Ouais, ok. 30 secondes, oui, là on a vraiment perdu énormément de temps. Et comme je l'ai dit, je suis pas très bon, hein, en WRC, je suis vraiment pas très bon. Oh, il a de l'asphalte. Oh là non, oh là, et ouais ça pue ça. Et oui ça a pué. 15 secondes, zut. Non, 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 j'ai dit non, voilà. Voilà. Ma main est quand même moins puissant ici. Hein. Oh non! Là, là par contre. Oula, oula, ouais, là, là. C'était n'importe quoi. Ça m'étonnerait pas que je sois dernier. Ah ouais, là. La voiture, elle est vraiment. Oh oui, c'est catastrophique, oui, 51 secondes. Là, je vais perdre de la réputation, je suppose. Ah oui, j'ai perdu de la réputation. Faut trouver de l'amélioration, faut trouver de quoi s'améliorer. C'est simple. Et on va, je l'espère, retester un nouveau rallye sous peu. Ah, nous voici sur le rallye de Sardaigne maintenant. Alors, on va démarrer l'event. On est en 108. On va mettre en 107. On va voir ce que ça donne. Hein. Il faut que j'augmenterai ou je diminuerai. Mais bon, être dernier, c'est pas rigolo. Comme être premier non plus, tout le jour, tout le temps, c'est pas rigolo non plus. On va essayer de quand même de trouver le bon équilibre. Je dis que ça comme ça. Et on part sur cette spéciale du rallye Sardaigne, le jour 1. On y va. Donc comme vous voyez, 4 km 15 et c'est 100% de la terre. On est parti. Je démarre pas trop tôt. On y va. Ouais, un peu plus de mal sur la terre, hein. Vraiment pas terrible. Droite à fond et gauche 4 cours. Et droite 4. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ouf. Ah, j'ai évité le panneau. Et gauche 4 ferme en droit, 50 mètres. Gauche 4 en montée. Et droite 4. Eh, une seconde, c'est pas si mauvais, hein. C'est pas si mauvais. Là, par contre, oui, si on fait des erreurs, on va être mauvais. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mauvais. Et on va... oh, allez, on commence à s'en sortir là, on commence à rouler de mieux en mieux, même si on fait encore quelques petites sorties de temps à autre. Et ouais, dans 4 secondes, allez, c'est pas grave, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Dans 4 secondes, c'est pas énorme.
Ouais! Oui! Ouh! Ouah là 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 là! Ouais là par contre, ouais non, on a rien vu! Eh bien, on a gagné un peu de temps là. On a gagné un tout petit peu de temps, c'est magnifique. Oh là là, et dans l'arbre. Là, je me suis pris en plein l'arbre dans la tronche. Non, 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 c'est bon, ça va, ouf. Par contre, il va falloir que... Oh non, là, oh là là, ouais, non, c'est pas simple. Oh, j'ai changé de caméra. Oh, c'est horrible. Voilà, ouf. C'est nickel, ça. Ça, c'est un très bon chrono. On a perdu un peu de temps, hein, donc c'est dommage, mais c'est un bon chrono. Certes, on ne sera pas premier, mais au moins, on sera pas trop mal classé. Et voilà, l'arrivée, elle est où? Elle est là-bas. Nickel, 3 minutes 20. Alors, fais-moi voir. Ben, on se classe 9e, hein. On est quand même à 12 secondes. Ouais. Donc... Vous devez être connecté au serveur pour avoir les classements. J'ai été connecté. Je pense que voilà, ouais, donc voilà, un petit bug, c'est pas grave. Voilà, continuez. Et donc 9e. D'accord, on se met 9e ici, donc c'est la super stage. Alors on va voir comment on s'en sort là-dessus. On est parti. On y va! Magnifique ça, on a bien géré. Pas mal ça. Épingle gauche serrée. Hop, voilà, c'est nickel. Mode de paille à l'extérieur, ok pour l'épingle droite. Pas si mal que ça, c'est vraiment pas si mal que ça. Attention, droite 3, dans épingle droite serrée, botte de paille intérieure. Dans gauche 1, 30 mètres. Hop, c'est nickel, c'est pas mal ça, c'est pas mauvais du tout. Droite 2, court, et attention, épingle gauche, pas corde, dans droite 5, tenue. Et là j'ai le caillou qui va me gêner un petit peu, oui effectivement, imaginez un tout petit peu. C'est nickel. Allez. Nickel. On est bien. On est bien là. On est bien. On est bien. On est magnifique. Épingle gauche serrée, pas corde. Et épingle droite, pas corde. Botte de paille extérieure ouvre 40 mètres. Attention, droite 3. Ou j'ai essayé de le prendre ras, c'était pas plus mal, mais c'est pas. En tout cas, j'enchaîne tous les secteurs en vert, hein, donc c'est pas mal. Et que je vais taper un petit chrono là. Alors je ne sais pas quel chrono j'ai fait, on va voir. Eh ben, j'ai tapé la première place, c'est ça qui est vraiment pas mal. Donc au classement général, je me retrouve 2e à 2 secondes de Chris Thompson.
C'est pas mauvais du tout ça. En fait, je suis meilleur sur les circuits classiques, je lui ai dit que sans arbre ou quoi que ce soit, que sur les trucs, les dénivelés. En tout cas, là, on n'a pas trop mal géré. Bon, alors au niveau des réparations, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah oui, mais... Ah oui, d'accord. Donc on a 45 minutes en fait. D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Et donc, oui. Je pense que c'est la meilleure des options. On va terminer cette journée, le jour 2 de ce rallye. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. En tout cas, je vous retrouve donc tout à l'heure pour une partie de Overwatch. On va tout d'abord terminer les deux spéciales qui nous restent. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on y va! En tout cas, je vous prie de dire que c'est pas simple du tout. Ouf. Attention, frein gauche de petite corde, 50 mètres. Waouh. Là. Ok. Voilà. Hop, voilà. C'est bon, ça c'est magnifique. Oh, une seconde, une. C'est pas énorme, hein. Non, et là par contre, et oui. Et là, j'ai fait deux tonneaux. Super, magnifique. Oh là 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 là, je vais perdre du temps. C'est bête. Ah non, je vais pas faire un deuxième tonneau quand même, hein. Et ça suffit, hein. J'ai perdu énormément de temps avec les tonneaux, je suis sûr. Hop, voilà. Pas mal ça. Ouah! 7 secondes, mais oui, tu m'étonnes, tiens. Oh zut! Pas mal ça. Oh là, ouais, non, j'ai bien fait de freiner parce que là, je le sentais pas du tout. Ok, ça c'est nickel. J'ai l'impression qu'on a gagné quand même un peu de temps là, ici. Non, on en a même encore perdu, mais c'est pas possible. Voilà. Oula, c'est bon, c'est magnifique ça, on l'a bien négocié. Voilà, c'est bon, nickel. On a gagné du temps là, on a gagné 4 dixièmes, mais voilà. Alors, oh là là, et là par contre, on va perdre beaucoup de temps. Ouais, on a perdu un peu de temps là. Il faudrait que je revienne sur la route totalement, ce serait pas mal, voilà, merci. J'ai l'impression que j'ai abîmé un peu mon pneu, non? Oh là, là, par contre, on va se prendre 5 secondes. Non, non, peut-être, oui. Oh là 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 là, pff, quelle catastrophe. Je ne sais même plus où elle est, la route. Là, je vais revenir, voilà, ouais, non, j'ai pas le choix. Je sais même plus où elle est la route, donc il fallait absolument que je revienne, mais là,
J'ai perdu énormément de temps malheureusement. Oh là 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 là. Ouais, ouais. J'ai perdu énormément de temps, c'est pas beau. On s'était pas trop mal débrouillé hein, jusque maintenant, à part les tonneaux. On a fait les deux tonneaux. Ah non. Là par contre, je ne crains qu'on ait fait un chrono, ouais, 14e, ouais, c'est énorme. Et on se retrouve, ben, on se retrouve à la 9e place au classement général. Ici, donc, on a une spéciale de 4 minutes 13. On va essayer de réduire le retard. Je lui dis que ça comme ça. Et je mettrai la difficulté à 105. Je pense que c'est le... Ouh là, j'ai failli partir précipitamment. Allez. Voilà là. Voilà là. Magnifique. On est bon là. Oup. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon, on est bon. Oh non, 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 pas cette caméra là. Où j'ai failli me planter à cause de la caméra. On est bon là. Nickel. Ouais, oh, là on n'a pas beaucoup, on a une dixième à peine. Une dixième donc. Un peu plus d'une dixième de retard. Là par contre je vais perdre un peu de temps. Oh non, oh là, oh, oh là. Le terrain m'a un peu aidé. Oh. Ouais, il m'a un peu aidé le terrain là, sur ce coup. Et la preuve, regardez, je gagne du temps, 1 seconde 7. Pas énorme, on va essayer quand même de grappiller quelques secondes. Je pense pas qu'on va être sur le podium, mais si on peut taper un top 5, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est pas mal ça. On est bien ressorti, on est bien ressorti. Voilà. What? Ouais, c'est bon. 2 secondes 7. On est en train vraiment de gagner beaucoup de temps là. C'est bien. Oh là. Et non. Et là par contre, on va perdre tout le temps qu'on a gagné. Ça c'est bête. Et voilà. Et voilà. On a eu 5 secondes de pénalité. Oh, c'est bête. C'est bête. On avait gagné vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment bête. Oh zut zut zut. Allez. On va quand même essayer de limiter un peu les dégâts. Ouais, on a failli encore sortir. Ouais non, ouais non, 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 lol, allez, les panneaux, ben allons-y. Là, ouais, ça a marqué dans le bêtisier, ça, 4 secondes 9. Et on a, n'oublions pas qu'on a 5 secondes, hein. Donc là, on est à 9 secondes 9, donc c'est vraiment moche. Remets-toi, 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 ouais, voilà. Ah, ça, c'est moche, c'est vraiment pas beau. On a eu des petits soucis de caméra, mais il faut que je désactive ces boutons-là, parce que c'est vrai qu'ils me gênent beaucoup. Ne me dis pas que je suis encore en tonneau là. Je suis encore en tonneau, c'est bien, on a repris 5 secondes. Bon ben. J'ai envie de dire, on va terminer. J'ai l'impression 9e du coup. Classement général. Oh bah ben, avec un petit choc en sortie, c'est magnifique. 11e. Je pense qu'on va diminuer de place. 9e. Ah non, on est resté 9e. Bon ben j'ai envie de dire. Voilà. Donc on a pris quelques points. On se retrouve à la 3e place du championnat. Donc, Christensen qui est passé devant et Munnings également. Je pense qu'on va quand même prendre de l'XP. Ouais, on a pris de l'XP, on a pris de l'argent. Et par contre, au niveau du constructeur, on a diminué un petit peu.
n'a pas eu de pénalité de temps. Et au niveau du constructeur, du coup, on re-augmente. Ouais, ok. Donc j'ai envie de dire qu'on n'a pas été trop mauvais. Faut juste adapter un peu la difficulté parce qu'on n'est pas, des chefs en rallye. Hein. Comme vous avez bien vu, je ne suis pas du tout un chef. Donc ici, on va pouvoir faire nos petits trucs. Alors, au niveau de la R&D. Un bonus de morale en se classant dans le top 7 du rallye. Oui, ok. Et voilà, donc, ok, ça c'est bon. Gestion de l'équipe. Météorologue, il y en a un plus fort, donc on va mettre ça. Voilà. Au niveau de la messagerie, compte rendu. Eh oui, là par contre, donc, je dois payer tout ça. Gestion de l'équipe, non, ça on est bon. Gestion de l'équipe, on a un recrutement? Ouais. Pour le moment, on va pas toucher à ça. Calendrier. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Dodo, repos et ses constructeurs. On va leur faire se reposer et on va prévoir en conditions extrêmes. Voilà. Bon, on va faire ça. Si vous êtes d'accord, on va faire le repos, hein? D'accord. Et on va faire l'événement en conditions extrêmes. Donc ici, on est à 107. On va mettre à 105. Je pense que là, on va plus y toucher. Après, c'est tout. Terminus. 105 est terminé. Bon. Alors. On est parti. Ah là, il fait vraiment dégueulasse. Hein. Il fait vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, on a beaucoup de dommages. Oh non, ne me dis pas qu'il y a la direction qui déconne. Et si, il y a la direction qui déconne. Ah mais on va être magnifique, nous. Oh, on est magnifique. Oh, si vous saviez comme c'est horrible à conduire cette bagnole-là. C'est horrible avec les dégâts qu'elle a. Oh non. Oh, là, on n'a rien vu. Oh, je passe juste dans le portail comme il faut. Un peu de chance, là. Oh là, ouais, oh non, 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 mais non, mais non, mais non, je suis sorti. Je suis sorti. Je remonte, grimpe, non, je regrimpe pas, pas de chance. Là, je reprends 4, et là, je prends 4 secondes de pénalité. Ah, c'est dommage. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Maintenant, oh là là. Oh non, je vais pas choper les bûches quand même. Hein. Non, pas question. Hein. Et ça suffit. Hein. Alors. Droite 5 sur poste, tenir sur gauche 4. Droite 1 et reste au milieu pour gauche 3, très long sur ciel ferme. On va pas savoir terminer le rallye, ce serait bête, hein. Bête de pas terminer le rallye. Oh là, j'ai failli me choper une bûche. Oh, c'est dommage. Oh, échec de l'événement. Non, on peut pas rester sur un 99% quand même. Bon, je vais recommencer. On peut pas rester sur un 99%. Ah non. Si on avait eu les 4 secondes, si je m'étais pas planté, on aurait réussi. Non, je peux pas rester sur un 99%. Je suis désolé, mais là... Ah non, j'ai la haine. Allez, allons-y. Alors, hop. On se concentre. Oh, là, on est bon, là. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah non, 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 on s'était planté, là. Non, ouf. Pas planté, ça va.
droite 3000 ans, ferme, sur poste 20 mètres. Épingle droite, pas corde, dans gauche 1, pas corde. Voilà, et là, on a bien pris le truc. Droite 5 sur poste, tenir sur gauche 4. C'est bien là. C'est vraiment bien. Oh non, 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 pas l'arbre. Ouf! Et heureusement, je suis revenu sur la piste. Il faut faire attention parce que je prends beaucoup de je prends plus de risques. Ah! Non, c'est bon, ça va. Ouais, là, on a le temps, hein. On a le temps de finir, là, surtout. Hop! Ah, parce que c'était là en plus l'arrivée. Oh, c'est écœurant. Ah oui, c'est écœurant. Là, là, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on reçoit des sous, on reçoit de l'expérience et on reçoit un peu de morale. Donc c'est vraiment bien. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Je vous retrouve pour une partie d'Overwatch tout à l'heure. Je vais reporter donc le... Allez, le streaming de Immortals demain. Et on se retrouve, nous, tout à l'heure, avec sûrement Manwix. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il m'a répondu. Manwix, il m'a répondu. Et donc, il sera là donc à 18h. Donc, c'est magnifique. Je vous dis à tout à l'heure.